Mais y'a encore Harry Potter? Mais putain, mais lui, toutes les games, il est là! Harry Potter de Bamako? Bête Potter? Bon, allez, vas-y, va pour un Bête Potter. Il a bien mérité. Ah, c'est vrai qu'Ezreal a été buff. Hein. J'aurais bien pris S, quoi. Merci, Téléads. Merci beaucoup, vous le 8e mois. Nous sommes sur le PBE, il n'y a pas de ranked. Et par contre, il y a un MMR de Normal Game. Et ce qui fait que, comme moi, je joue au PBE depuis le début du 7-2, j'ai un très très bon MMR. Parce que du coup, on tombe parfois contre des très bons joueurs chinois ou coréens. Et ce qui fait que les lobbies de PBE sont quand même pas si mauvais du tout, quoi. Souvent des très bons joueurs, donc. C'est pas juste une normal game classique, quoi. Ouh! Après, il y a du caillou! Oh, attendez, il y a du caillou et il y a de la Nida, hein. C'est des marées belles, on s'en fout, Nida, non? Oh, ça, c'est bien! Oh, ça, c'est bien! Oh là là, c'est exactement ce qu'il me fallait. L'Astral, peut-être? Scanner? Oh! Alors, peut-être... Ah! Oh, ça c'est Lagoon! Ça je reconnais, c'est Lagoon! Three random tier 3 company. Ah, j'en ai pas trop besoin, tier. Je peux voir Sylas aussi. Préparation 2, il a l'air vénère quand même. Préparation astrale, c'est vraiment fort. Hein. Parce que là, du coup, la Nidalee ici, je peux juste la faire stack. On peut tenter une Nidalee reroll. Hein. Ouais, c'est sûr. J'aurais pu roll et push Talia et avancer comme ça. J'essaie de prendre une autre direction. J'espère qu'on le regrettera pas. 3, 5, 7, 9, 10, 11. Ouais, si je joue ça, il faut attendre. Ah, c'est super ça. Là, ça me met trop bien. Le fait d'avoir un peu high-roll les shops. L'arc ira sur Nidalee parce qu'on l'a joué niveau 3. Je sais pas, je trouve que le préparation est trop fort. 7 d'AD, 7 d'AP 4 fois. Donc j'ai une Nidalee qui va avoir 28 d'AD, 28 d'AP et 180 HP en plus. Sachant qu'elle est shapeshifter, donc c'est vraiment trop bien. J'aurais pu garder le Gnar, mais j'avais pas l'économie. Merci Coxys pour l'abonnement. Le Merlo fonctionne sur Nasus, si Weaworth. Alors je crois qu'il fonctionne, mais il est pas très bien. C'est pas une AOE en fait, la Nasus. Je sais pas, je l'ai vu une fois, ça m'a un peu déçu. Je te recommanderais pas. Deux gold, oh la chance! Scarner en plus. Là, c'est super sympa. Hein. On va essayer de stacker la luxe et on la changera. Pareil pour la Nidalee. Ginzo ou Runan? Parce que Runan, quand t'as... Ça, c'est quand même plus fort. Hein. Mettre la belle là. C'est bien le Runan. Alors, celui qui coûte le plus cher entre les deux. On a une table pour les récompenses d'Astral en fonction du nombre d'étoiles. Non, on l'a pas. On l'a pas et ils l'ont nerf un peu sur ce patch. Après, si je chope une baguette et que j'ai une autre baguette, ça me dérange pas parce que j'ai luxe derrière. Si j'ai une cloque et je rechope une cloque, ça me dérange pas trop non plus. Celui qui coûte le plus cher. Baguette 3, cloque 3, évidemment. Je pense que c'est Runan. Ah bah voilà, il fait le choix à ma place, Harry Potter. Alors malheureusement, j'ai mis l'arc sur la Nidalee, donc... Je pense pas que je slam, je vais essayer de faire une perfect streak. Oh, mes stacks. Si je rentre ça, je pense qu'on gagne. Si je fais Runan et je rentre Gnar, on gagne les deux prochains. Donc je vais pas le faire. Lagoon. Je pense que cette fois-ci, on va essayer de jouer la version 3 Astral Shape. Ça a le temps de gagner, compagnie. C'est bon. Everything goes wrong. Bon, on a pris une plus grosse baffe que ce qu'on voulait, mais lui était vraiment trop faible. Voilà. Là, le but c'est surtout d'aller chercher l'argent. Oliverius. Bon, ouais, c'est stack.
Techniquement, je pourrais donner une stack à ça. Ok, au cas où. On donne une stack à Gnar, une stack à Vlad. Je prends le Varus et on joue peut-être 5 Astral. Truc bien. Bon, on va faire Guindo. Un arc. Shojin, Shojin Lux. Shojin Lux me paraît le plus adapté. Hein. Elle est niveau 2, elle va continuer un stack. Là, je peux faire Runan. Là, on a une belt. Ça joue au jeu. On va rentrer Sylas. Peut-être 5 Astral, du coup. Les préparations le rendent vraiment fort. Hein. IE peut être bien aussi. Elle a quand même 163 AD. IE, Runan, ça me paraît bien. Et donc, Astral, en fait, donne des cadeaux en fonction des levels de mes champions. On va essayer de jouer autour de ça. Item grab, c'est très bien. Luden, bof. Ouh, ça va juste aller là, je crois. Hop là, boum. Est-ce qu'on fait un push particulier, Vladimir, genre? Ouais, on fait Vladimir. Level 6 et level 7. Là, si on peut faire Runan et... item front. Lagoon. Ça peut manquer un peu de dégâts, hein, Nidalee, comme ça. Heureusement que j'ai préparation. Oula, Lux, il faut que tu fasses quelque chose, là, ma sœur. Ouf. Nice. Kiana est devenue forte, maintenant. Il faut se méfier. Peut-être changer de techo, là. L'autre Vladimir a plus de stack ? Je crois pas, hein. Bon. Bon, il était level 5, encore. Sylas! Parfait. Oh, l'argent qu'on a eu. Et là, ce Vladimir, il a deux stacks. Et ce Vladimir, il a deux stacks alors qu'il en a gagné un. Est-ce que sinon, ce serait pas Gargoyle? Et on la joue plus en mode... on a un vrai big tank, là. Bon, il va me manquer un item. Y'a pas le son du jeu? Ah, je l'ai désactivé, excuse-moi. J'aime pas trop ce gear sur Nidalee. Hein? Pourquoi il est couru au corps à corps avec AFC? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est sauce. Pourquoi elle est pas restée derrière? Heureusement, là. Enfin... Tone de Rakan. Oh, d'accord. Très bien, peut-être. Après, j'aurais pu faire Sunfire pour Old Runan aussi. Mais bon. Quelle est la proba qu'on ait un arc? Gargoyle sera meilleur sur le long terme. Ah, c'est pas mal, là. On gagne 3-4 gold hein, par tour. Hein. Choubi, choubi, choubi. Bon, on y va. Bon, c'est à partir de maintenant que ça va commencer à être dur. Parce que je pense qu'il va falloir quitter Astral. Il va falloir jouer du shape et des bons champions. Donc genre, Jayce, Gnar, Nida, ça reste. Shiona doit rentrer. Ça, ça va être... Après, il faut genre des barres, des os et tout. Aïe, aïe, aïe. On arrive avec les Swain Dragon Dancer. Ce n'est pas le fun.
Ça, je sais pas comment ils vont l'équilibrer, hein, quand même. Il y a Swain et Jayce, Dragon Buncer, je les trouve injouables les deux. Enfin, ça dépend peut-être de la compo que t'as, mais c'est trop trop fort. All Healing and Second Wind, c'est bien. DHP. Seraphine, je la joue ou pas? Non, je joue jamais. Mystique, on s'en va. On est bien, hein. L3, Pogchamp. Twitch, c'est un super carry de mid-game. Hein. Là, on voit la diff. Hein. Son Twitch, tout à l'heure, il a mis genre vraiment une patate de dégâts. Et là, il a changé Twitch pour Xayah. Wow, sympa, ça. Et je sais pas, je trouve ça beaucoup moins fort. Hein. IE, le seul problème, c'est que si tu es bloqué sur une unité, tu perds. Putain, mais tout le monde qui joue Darkfly dans ce lobby. Hein. 7 Shimmer, 7 Shimmer, 5 Shimmer, 6 Darkfly, 6 Darkfly, 6 Dragon Monster. Bon, ouais. Pas marrant. Pas si fun, hein, mais... Putain, de Swain! Bah, c'est le problème. En fait, si... là, ici, je suis bloqué sur une unité. Alors qu'avec Runan, en fait, je peux tuer les autres pendant que je suis bloqué sur Swain. C'est pour ça que c'est... Nidalee, c'est son défaut, en fait. Si elle est bloquée sur une unité, bah... Tu n'as que elle comme dégâts, quoi. Là, c'était limite, hein. Il y a une IE, un Gold, il y a un Sylas 2... Il y a Varus également. Apprendre Sylas 2. J'ai pas l'impression que IE va changer mon problème en fait. Soit c'est Runan, soit c'est JS. C'est pas Snine là. Le Swain. Je dis que lui il avait forcé Swain. Il avait pris Titan sur Ezreal. Mais bon, c'est pas comme ça que tu joues. Mais... Faut quand même que tu joues ta sortie un peu. Hop là. Qu'est-ce qui est fake? Tout ça c'est fake en vrai. Sinon, je peux rentrer à sol. Là, on arrive au 8 astral. Mais je suis loin de Lux 3. Je suis loin de Vlad 3. Il va pas venir. Donc, fais chier de jouer au 8 astral. Il va hook. Non, il va. C'est pas lui, ça. Ouais, je viens de le voir, lui. Par contre, 7 shimmer, je trouve ça vraiment fort. Autant 9 shimmer, je trouve ça éclaté. Et 7 shimmer, ça reste très fort. 7 shimmer, c'est bien joué. Je pense que ça va être vraiment une compo viable. Avec voilà des champions qui viennent carry. Parce que tu peux enlever des poubelles. Et jouer que des bons champions. Alors on a un spell crit. Et on a un remover. On a un tempest, mais il n'y a plus Horn. Ce n'est pas bon. IE, Bramble, Dragon Monster. Non. Spatule, Gardien, Lagoon, Rabadon. Non. 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 Oh. Oh oh. Attends. C'est de la merde. Je n'ai rien eu de bien.
Ok. Et j'ai un dice sur qui du coup? Non, ce que je suis seul, je s'en fout de Varus. Moi, je suis un peu inquiet pour les items de Manida là. Il faut vraiment un troisième item, sinon on gagnera plus. J'ai pas d'item pour Shyvana non plus. Gangan, ça s'appelle Jace là. C'était pas du tout un bon carousel pour moi, un bon trader dragon. Oh, c'est pas parti. What the fuck, elle auto. Let's go. La question c'est, est-ce qu'on joue 8 astral? Parce que là, les items sont pas terribles. Hein. Et qu'est-ce que je fais avec le dice? Le dice, il peut être bien sur qui en late? Il dit quoi Aurélion? Aurélion, il a des bons dice sur Varus. Ouais, bah... Terra bof. Shyvana... Shyvana, elle a des bons dice sur Gnar. Swain Dragonmancer, enchanté. Bon, ça y passera pas. Bon, ça coûte pas très cher. On va y aller. On va rentrer une Soraka. On aura peut-être un Aurélion à la place de ça. Vlad, il passera jamais 3. Peut-être que Aurélien peut me faire gagner en overtime contre les Swain. Hein. Ah, il deal toujours. Peut-être qu'on peut dice Varus et on peut avoir plein de Varus et d'Aurélien. Hein. Avec un petit item Varus là. Faites la clé. Ah, on a Spat Mage sinon. Ouais, c'est pas bon ça. Ah, on peut peut-être faire ça, je pense. Il y a un Jace sinon. Attends, toi tu dégages. Ouais, tu dégages, toi aussi. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai assez? D'ailleurs, diff. Pogo, cake weight. C'est vénère. Hein. Oh. Oh, le Kali, le spell crit archange. Ouais, il est quand même sympathique. Ouais, ouais, lui, il est passé en 9 chimères, il était plus fort en 7, hein, je pense. Ah, c'était pas lui, c'est lui. Hein. Ça, c'est fake. Ça, c'est un peu fake. Ça, ça peut être Zoé, en gros. Sauf que le 8 astral donne quand même 75 d'AP. Ce qui n'est pas négligeable. Et me donne beaucoup d'argent. Va falloir battre ce Swain maintenant. Ce maudit Swain de la Potter. La parole, un très bon augment. Un très bon Gangan, pardon. Maintenant un GS, on a Aurélien. On a de l'anti-heal, fort heureusement. Parce que ça, c'était fini déjà. Ah, il dit. Last Whisper. Bof. Faut que tu prennes une stack, Locuz. Toi, tu vas passer le level d'après. This is
Comment il pue? Zoé? Mais j'ai pas envie de jouer Zoé. Ah non, problème, j'ai. Zoé, Imo? Oui, mais dans cette game, j'ai pas envie. Ah, mais Lou, voilà, vous me perturbez, je fais n'importe quoi! Dans cette game, j'ai envie de jouer 8 Astral. Je pense que c'est mieux de jouer ce que notre ami viewer a dit, mais dans cette game, j'ai envie de jouer Astral. Nous sommes sur le PBE. Nous devons être têtus. Harry Potter. Top 4 de Harry Potter. Ouh là là, il est pas loin. Willy d'où l'exploit. Allez, boum. Bon, et eux, ils seront jamais level 3, ils vont arrêter. C'est bien parce que normalement, le premier Crown of Champion... par là. Ouais. C'est une erreur de sapin. Que... Let's go. Et hop, plus de Crown of Champion. En fait, vous sous-estimez le 75 d'AP le chat. C'est-à-dire que, bien sûr, les champions sont meilleurs. Zoé, Bard, Soraka, tout le bordel. Mais là, on a 75 d'AP sur toutes ces compos. Alors oui, j'ai préparation, mais c'est beaucoup 75 d'AP quand même. C'est un rabadon sur toute mon équipe. Un peu moins d'ailleurs maintenant. Ah, le qui? No hook no! No hook no! Ah, le réflexe d'un homme! Le réflexe d'un homme! Et le FF qui tombe! Imo. Oh non, c'est Harry Potter? Ah, mais il est tellement fort! Attends, il m'humilie! Mais le Swain! En plus, j'avais roll GS. Ghost diff? Mais non, apparemment, les ghosts ont été fixes, les amis. On est muy bueno. Allez, Varus 3. Mais non, pas une armure. Allez, Imo. Never Lucky. Baby Rage. Oui! La voilà la bonne nouvelle! C'est quoi ça, Aurélion? Hop la boum! Tryharded. Imo. Ce gear-là, il peut rien faire. Après, quoique, hein, il a Claw, Overtime. J'ai Varus 3 maintenant. Ouais, le Zephyr a un peu changé. Hein. Le Zephyr a un peu changé la donne. Hein. Ça a l'air pas mal, ça. Eh, ça a l'air pas mal, Swain. Eh, dis donc. Ouais, mais... Swain 2. Très bien, Riot Games. Très bien. 20 000 dégâts, 10 400 de vie, alors que putain, j'ai une feuille en plus. Ah, j'ai Yasuo, putain, je suis un boomer là. Ah bah non, attends! Je suis trompé, il s'est trompé! Let's go! Oh, attention! Ah, 3000, 2000, 1000, 2000, 3000, 2000, 3000, 2000, 1000, 1000, 1500, 0, 2000, 1000, 1000, 1200, 1000, 1700. On a gagné. Oh, le runan de Varus, c'est incroyable. Ah, j'aurais dû bench à seul. FK Varine. Bien vu l'aveugle. Cherche un truc lui ou pas? Il cherche à me ruiner. C'est ça qu'il cherche. Lux. Oh oh. Voilà. Non, c'est le novice. Non. J'ai un vilain gangan sur le sol. Hein.
Encore bon, c'est pas le meilleur, mais... Oh, le second win de fou. Ah, mais il a pas d'anti-heal, en fait. Le Rudan de Varus change beaucoup, hein, pour le coup. Hein. Mais arrêtez avec ça, arrêtez. Non, mais on n'en peut plus, 27 000 de dégâts. C'est quoi, 27 000 ? 27 000 ! Vous écoutez le chiffre ? 27 000 de dégâts. Mais je veux plus des Oshin. Oh putain de merde. Non, mais j'ai pas le temps. On y va. J'ai plus envie de toute façon. Très bien. Alors peut-être. Non. La grosse planète. Non. J'ai Harry Potter. Ah, je peux pas aller plus vite que la musique. Alors, on l'avait déjà vu avec Jace hier soir. Là, on le voit un peu avec Swain. Attention au Dragon Mancer. L'input, mais il y a 180 ping, les gars. 180 ping, et il reste 15 secondes. Vous sous-estimez à quel point c'était dur.